Alors vous le savez sûrement pas, mais je suis fan de stylos et de trucs pour écrire, j'en ai plein. Et maintenant j'en ai un nouveau, le Overpen Interstellar Edition. Le stylo Overpen est un stylo qui, grâce à son système d'aimant, flotte à un angle de 23,5 degrés dans son socle. Faut dire que je passe mes journées à écrire, je suis encore de ces gens qui surlignent dans les livres en papier et qui fait des plans là sur des feuilles A4 là, avant de passer au numérique comme celui-là. Pour vous parler de celui que j'ai, le Interstellar Space Black avec la bague en or 18 carats, et ben c'est un stylo très agréable en main. J'aime particulièrement le fait qu'il soit plus fin et plus long au bout là. Il glisse pas trop, il a une bonne matière, il glisse pas trop. Parce que j'ai des grandes mains et je transpire, alors allez savoir, c'est sûrement un point positif. Et la seconde chose, eh bien, c'est qu'avec son socle et sa position au repos, eh bien, on ne le paume pas sous une feuille ou dans un pot. Et d'ailleurs, c'était pas écrit du tout dans le brief que je leur envoyais, mais en plus, quand il y a du vent comme c'est là, quand on tourne dans une grange, eh bien, ça tient les feuilles. La dernière chose que j'aime beaucoup, eh bien, c'est qu'on a un trait assez fin, sans appuyer. Le stylo est livré dans une belle boîte, il existe aussi dans d'autres coloris, dans d'autres gammes, dont un avec un morceau de météorite incrusté, et on le trouve aussi en version plume. Je vais bientôt faire une série de vidéos sur la chaîne secondaire qui nécessite de l'écrit, et je vais sûrement le faire avec ce stylo. Même si le Future Edition Silver version plume, il fait de l'œil quand même. Beau stylo. Alors avec le code LINGUISTICAE, en cliquant sur le lien en description, eh bien, vous avez 10% de réduction sur tous les stylos Overpen, et vous avez aussi la livraison gratuite. Et sur ce, eh bien moi, j'ai tout dit. En ce moment, je sais pas, j'ai renoué qu'une vieille passion, les langues romanes, et plus spécifiquement les langues romanes disparues. Ça s'est un peu vu dans l'une des dernières vidéos sur l'origine du roumain, qui est aussi complexe que contestée, hein, je le rappelle. Mon intérêt pour les langues romanes, il est tout à fait en lien avec mon cursus universitaire. Si on étudie le latin, celui d'Auguste ou de Cicéron, et si l'on étudie le français, l'espagnol ou l'italien, qui en descendent, on explore assez peu, pour ne pas dire jamais, le chaînon manquant qui s'étale de la fin d'Antiquité à la Renaissance. Lorsque l'on se penche sur cet entre-deux, que ce soit à l'école ou à l'université, c'est toujours pour se focaliser sur le latin d'église, le latin médiéval, qui devient en réalité un rameau tout à fait à part. Parce que ce n'est alors plus tant une langue parlée qu'une langue écrite, liturgique et élitiste. Et ça, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais globalement, on suit ce chemin plutôt que ces innombrables directions qui, chacune, ont leur histoire et leur particularité. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on suive celle qui fit émerger une variété du latin, une langue romane tout à fait indépendante, hein, dans l'une des régions qui fut l'une des plus romanisées et christianées de l'Empire, l'Afrique. L'Afrique romaine, qui tire son nom du mot punique « affaire », désignant un peuple berbère de la région, correspondait à un territoire côtier à cheval sur la Tunisie et la Libye actuelle. La province s'est créée en 146 avant notre ère, peu après la destruction de Carthage, cité rivale de Rome. Avant la domination romaine, le territoire était donc de culture berbère et punique, puisque les premiers étaient les autochtones, tandis que Carthage avait elle-même été fondée par les Phéniciens au 8e siècle avant notre ère. Parce que Phéniciens et puniques, c'est globalement la même chose. Le territoire conquis par Rome est assez faiblement peuplé, malgré la fertilité de ses terres et de leur emplacement stratégique. L'annihilation de Carthage modifie profondément l'écosystème politique et social local. En effet, la rivalité entre Rome et Carthage ayant duré plus d'un siècle, eh bien ça a conduit à une radicalisation de la position romaine. Une radicalisation bien illustrée par une citation de Caton l'Ancien, « Delenda Carthago, Carthage doit être détruite ». Et Carthage a bel et bien été détruite, sa population a été massacrée ou réduite en esclavage, les restes de la ville ont été incendiés, et cet événement est aujourd'hui réanalysé par certains historiens comme le premier génocide de l'histoire, en tout cas de l'histoire européenne. On dénombre quand même dans les 150 000 morts et les 55 000 survivants, à peu près, hein, ils auraient quant à eux été asservis. L'Afrique romaine est donc conquise un siècle avant la Gaule, à la même époque que l'Italie du Nord et que l'Hispanie. Mais l'Afrique est en quelque sorte oubliée, mise sous contrôle de la cité Utique, une autre cité de culture punique qui s'était ralliée à Rome durant la guerre contre Carthage, et sous le contrôle du royaume numide, de culture berbère, un état client de l'Empire romain qui lui aussi l'avait assisté dans son conflit contre Carthage. Les restes de cette civilisation carthaginoise sont alors inféodés politiquement à des puissances parlant et partageant ses cultures et ses langues. Et pendant près d'un siècle, les projets de colonisation romaine ne sont pas concluants ni particulièrement soutenus politiquement. Mais les choses évoluent avec le règne personnel de Jules César. La cité de Carthage est reconstruite, elle redevient le centre administratif régional à la place d'Utique, puis elle est érigée en capitale administrative de la province d'Afrique proconsulaire en 27 de notre ère. Et c'est à cette époque que la romanisation débute vraiment. Rapidement, la ville devient prospère et attire des migrants. Elle attire 100 000 habitants au 1er siècle, puis 200 000 habitants au 2e siècle et finalement 300 000 au 5e siècle. Durant la période impériale, Carthage devient et demeure la troisième cité la plus peuplée de tout l'Empire, derrière Rome et Alexandrie. Alors comme cette dernière cité est en fait située en Égypte et donc plutôt de culture et de langue grecque, Carthage se place aussi probablement à la fin de l'Antiquité comme la plus grande ville de langue latine après Rome. Son importance économique est alors incontestable. L'Afrique romaine devient le grenier de Rome, elle exporte le blé et l'huile d'olive vers l'Italie, et elle devient synonyme de prospérité. Ce qui est intéressant avec l'histoire romaine de l'Afrique du Nord, c'est que les colonies romaines ne sont vraiment fondées qu'à partir de la deuxième moitié du 1er siècle, presque 200 ans après la conquête,
et ce notamment pour dépeupler la péninsule italienne. Elle s'impose alors comme une destination privilégiée pour les vétérans de l'armée qui deviennent propriétaires terriens et qui, en se mariant localement avec des femmes berbères et puniques, deviennent des vecteurs de romanisation. Parmi les plus grosses cités du coin, si l'on met de côté Carthage, on trouve par exemple Cirta, ou Sirte, aujourd'hui Constantine en Algérie, une ville berbère romanisée sous Jules César et Auguste. On trouve Adrumetum, ou Adrumète, une ancienne cité punique érigée en colonie romaine par Trajan et qui devient alors la deuxième plus grande ville de la région. Pour rester dans les plus importants, on trouve enfin Caesarea Mauretaniae, soit Césarée de Mauritanie, aujourd'hui Cherchel. Cette dernière est une ancienne capitale berbère ayant été reconstruite selon la tradition gréco-romaine et dont la population a été aussi bien romanisée que hellénisée. Hellénisée, ça voulait dire qu'ils parlaient aussi grec, la langue de la partie orientale de l'Empire et la première langue liturgique du christianisme. Et ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Jésus, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez comprendre un peu plus le paysage linguistique et politique de l'Antiquité et le lien qu'il peut avoir entre les deux. Précisément d'ailleurs, puisqu'on parle de Jésus, un autre vecteur de romanisation, c'est le christianisme. L'Afrique est l'un des territoires romains où la nouvelle religion se diffuse le plus. Plusieurs martyrs originaires de la région deviennent des saints. Perpétue, Félicité, Augustin et sa mère Monique, Cyprien, qui est le premier évêque de Carthage, et plusieurs figures importantes du christianisme primitif sont également des Romains africains, comme Tertullien, qui est le premier à écrire sur la Trinité. Avec donc toute cette poussée démographique, cette immigration italienne et celle de tout l'Empire pour qui le latin devient la langue vernaculaire, et avec la montée très forte du christianisme, l'Afrique romaine passe d'une population qui, sous Auguste, ne parle pas latin, ou presque pas, et qui suit des pratiques religieuses autochtones, à une population qui, au IVe siècle, est quasiment intégralement chrétienne et de langue latine. À cette époque, on estime d'ailleurs qu'un tiers des habitants viennent, directement ou par leurs ancêtres, d'Italie, tandis que le reste est surtout d'ascendance berbère ou punique, mais romanisée. Alors évidemment, c'est pour représenter très grossièrement les choses, puisque les mariages interculturels sont très nombreux, et de nombreux migrants, comme on l'a évoqué, viennent d'autres parties de l'Empire, comme les Juifs hellénisés, dont le rôle fut important pour le développement du christianisme local, et ça, voilà, on revient sur la vidéo de Jésus, que je vous réinvite à aller voir. Tout ceci étant dit, voici donc le constat. La population d'Afrique romaine, et en réalité la population qui occupe surtout la Fossa Regia, qui couvre la moitié nord de la Tunisie et une partie de l'Algérie actuelle, parle latin. Et pas n'importe quel latin. Le latin vulgaire, c'est-à-dire le latin populaire. Parce que le latin vulgaire, pour rappel, c'est une langue qui diverge du latin classique, celui de l'écrit, et qui est le véritable ancêtre des langues romanes actuelles. Le latin vulgaire, qui émerge vers le 1er ou 2e siècle de notre ère, avec des changements déjà perceptibles dès le siècle précédent, demeure néanmoins relativement unifié jusqu'à la fin de l'Antiquité, et l'un de ses vecteurs de diffusion le plus fort est l'armée, qui est grande pourvoyeuse de colons et donc de romanisation, mais comme vecteur de diffusion on trouve aussi le commerce et l'immigration, évidemment, qu'elles soient volontaires ou induites par l'esclavage lors des conquêtes, puisqu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a également beaucoup de mobilité de population durant cette période et de la mobilité forcée, qu'on se le dise. L'une des principales caractéristiques du latin vulgaire, c'est la réduction du nombre de voyelles et surtout l'absence de distinction entre les voyelles courtes et les voyelles longues, pourtant centrale dans la grammaire du latin classique. Des 10 voyelles latines, on passe donc à 5. Sur les diphtongues, on note aussi quelques disparités régionales dans leur traitement populaire, mais la plupart des régions les perdent au profit de monophtongues. AE est prononcé AI puis AE en latin classique mais E en latin vulgaire, OE est prononcé OI puis OE en latin classique, mais « e » en latin vulgaire, et « ao » est prononcé « ao » en latin classique, mais devient « o » et plus rarement « a » en latin vulgaire. Plusieurs consonnes mutent également. « Que »,« te » et « ge » deviennent « tche », « tse » et « je » devant les voyelles antérieures fermées, comme le « e » et le « i » par exemple. Les « s » et « m » finaux sont également perdus, un phénomène qui a peut-être d'ailleurs commencé vers le 2e siècle avant notre ère. « Kaelum » devient donc « tchelou », Gestus devient Gestu. Ces changements induisent des confusions dans les déclinaisons puisque les diphtongues et les consonnes finales sont essentielles pour identifier le rôle syntaxique des mots dans la phrase du latin classique. Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa est réduit en deux formes, rosa, rosé, que l'on trouve encore d'ailleurs en roumain aujourd'hui. En latin vulgaire, localement, le lexique s'enrichit aussi et il évolue et se détache des formes littéraires. Bon, tout ça, c'est un portrait global qui, en gros, s'étale du 2e siècle au 4e, 5e siècle à peu près, dans toutes les zones de l'Empire où le latin est parlé, mais qui ensuite se spécifie localement. Ça ne veut pas dire du tout que le latin vulgaire était unifié à ce moment-là, durant cette période, mais il reste intercompréhensible et il n'y a pas trop de problèmes, voilà. La variante du latin d'Afrique, le roman africain, comme on pourrait l'appeler, elle est problématique puisque ça ne nous aura pas échappé, mais on parle actuellement surtout arabe en Tunisie et en Algérie aujourd'hui. Et berbère aussi également, oui, pour les Kabyles qui nous regardent, on ne vous oublie pas.
Mais ce que ça veut dire, c'est que le roman africain n'a laissé aucun descendant, et son étude repose alors donc sur des témoignages de l'époque. Et des témoignages, on en a. Leur existence est notamment mise en valeur par Erasme, qui, malgré lui, en étudiant les textes latins d'Afrique du Nord depuis la Hollande du XVIe siècle, identifie des formes et des éléments linguistiques qui l'ennuient et qu'il dessine péjorativement comme des africanismes. En réalité, il utilise plutôt le terme africitas, que l'on pourrait franciser en africite, nom de la langue romaine alors supposée avoir émergé du latin en Afrique. Parmi les témoignages directs de l'époque romaine, on a notamment Pline l'Ancien qui dénote qu'en Hispanie et en Afrique, la population utilise le terme formacei ou formacei pour parler des murs plutôt que le terme murus. À en croire l'auteur Fulgentius, il semblerait que le mois de juin, comme c'est le cas aujourd'hui en sarde avec le mot lampadas, ait été lampadarum dies, soit le jour des lampes plutôt que junius mensis, qui était le terme alors consacré en latin classique. D'ailleurs, quand on y regarde de plus près, plusieurs particularités lexicales semblent être partagées avec la Sardaigne actuelle. L'usage du mot spanus, par exemple, pour parler de la robe d'un cheval tirant sur le brun clair. Parmi les témoignages indirects d'une langue romane africaine parlée qui se distinguerait des autres, on a notamment les attestations selon lesquelles Septime Sévère, empereur romain originaire d'Afrique, avait un accent. Sinon, on a également de nombreux traités de médecine qui sont originaires d'Afrique du Nord, et ils permettent d'identifier des noms de plantes ou d'animaux empruntés ou calqués sur les langues locales. Le mot zanda, par exemple, décrit localement un type d'oseille. Le mot arugia ou arugia, ver de terre, est emprunté au Punique et se diffuse en Italie et en Espagne, où il a notamment donné les descendants roggia et arroyo, avec le sens tunnel puis canal. Ça a du sens, parce que les vers de terre, ils creusent des canaux, et ce qui creuse des canaux, les vers de terre. Elle est là, la connexion. Tout ceci étant dit, il est quand même difficile d'aller plus loin. Non pas que c'eût été impossible, d'ailleurs la liste des attestations d'emprunt ou de calque est plus grande que celle que je vous ai fournie là, mais parce que la part d'interprétation au-delà de ces éléments a été très importante en fonction des auteurs ou non. Si bien que, aux yeux de beaucoup d'auteurs, hein, philologues ou linguistes du 19e et du début 20e siècle, eh bien le roman africain était soit une fable, soit tout à fait identifiable, il était soit archaïque, soit particulièrement novateur, il était soit profondément influencé par les langues sémitiques, soit par le grec, et selon des considérations qui pouvaient parfois interroger. Certains auteurs justifient par exemple des traits ou des formes lexicales par le climat, par l'exubérance, par l'éducation, par le tempérament et même par l'ADN de la population en exploitant alors les clichés sur les Méditerranéens ou les Italiens, et même sur les Arabes qui pourtant n'étaient pas du tout encore arrivés dans la région. Bref, tout ça complexifie pas mal la recherche. Dans les problèmes qu'on pourrait noter, il y a par exemple les formes locales que l'on a cherché à tout prix à rattacher à telles influences, qui étaient en fait parfois tout à fait communes dans tout l'Empire romain, et qui justifient en fait aujourd'hui tout un travail de tri et de comparaison qui a dû être refait plusieurs fois depuis les années 50 pour enfin savoir, avec plus de finesse, eh bien ce qui relevait du fantasme ou de la réalité historique. Il y a un livre pour cette vidéo que j'ai beaucoup utilisé qui est The Regional Diversification of Latin, et d'ailleurs je sais jamais quand on l'écrit en anglais avec ou sans E, puisque par exemple j'ai trouvé les deux orthographes, qui est vraiment un bouquin qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé pour cette vidéo et qui parle pas mal de toutes ces histoires là, et ça parle également de la Grande-Bretagne, de la Gaule, etc. Et je pense que je leur exploiterai notamment faire une vidéo sur le latin d'Angleterre. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais ce bouquin-là, je vous le conseille, banger. Mais il coûte la race. Pour essayer quand même de faire un peu le tri dans tout ce qui a pu être dit, et pour combattre un peu quand même quelques idées reçues qui ont été communes historiquement dans ce domaine, eh bien la première chose à noter, c'est que le latin d'une région ne correspond pas forcément à l'état de la langue au moment de la conquête. Puisque, bah, comme on l'a vu, les migrations peuvent être ultérieures, et localement, bah, des mutations peuvent avoir lieu. Et en cela, le roman africain n'est pas particulièrement archaïque. Si je vous dis tout ça, c'est que c'est une vision qui a été défendue par des auteurs comme Voeflin, un latiniste réputé notamment, hein, et qui expliquait alors que le latin d'Afrique était le même que celui de Caton et qu'il n'avait ensuite plus du tout évolué. Et cette position est parfois encore défendue en dehors de la linguistique historique, mais elle n'est plus du tout acceptée aujourd'hui, il faut vraiment faire le deuil, hein, parce qu'elle revient à nier en fait le fonctionnement même du langage, et elle revient aussi à nier le substrat linguistique présent, c'est-à-dire l'influence exercée par les anciennes langues de la région, à savoir le punique et le berbère. Parce que le roman africain, en bonne langue importée, témoignait également de l'origine de la majorité de ses locuteurs. Pour le dire autrement, on y trouvait vraisemblablement des emprunts berbères et puniques. Par exemple, de nombreuses inscriptions funéraires contiennent des noms déclinés au vocatif, là où on attendrait plutôt à la place un nominatif. Le vocatif, hein, qui est un cas qui sert à interpeller quelqu'un, quand t'appelles quelqu'un de la rue, c'est « Hey, machin !» du vocatif, eh bien il était vraisemblablement confondu avec la forme de base des noms, celle qui indique qu'ils sont sujets de l'action. Donc la différence entre « Hey, machin !» Ça c'est du vocatif, tu l'appelles, voilà, et machin fait cela, ça c'est du nominatif. Eh bien en tout cas, ce phénomène il a été identifié comme un trait dialectal d'influence punique, parce que les puniques ne comprenaient, comme vous et moi peut-être, pas vraiment la différence entre le vocatif et le nominatif, et ils utilisaient la première forme à la place de la seconde pour certains noms. On a aussi un autre texte très important pour comprendre les interférences entre les locuteurs du punique, du berbère et du latin, qui sont les textes trouvés dans la région de Bunjem,
que je prononce probablement mal, mais c'est le nom d'un oasis où on trouve un site archéologique du 3e siècle. À cette époque et dans cette région, il a été démontré que 11% des noms des personnes sont d'origine punique ou berbère, et que 45% des noms de personnes sont spécifiques à l'Afrique du Nord. Néanmoins, il faut quand même savoir que dans cette population, c'est-à-dire des soldats en contact avec des tribus aux confins de l'Empire, parlant latin, mais aussi probablement les autres langues historiques locales, eh bien les empreintes ne sont pas forcément symptomatiques de la langue parlée dans le reste de l'Afrique du Nord. C'est un peu très mauvais parallèle probablement, mais si jamais on prenait la Légion étrangère sur une frontière et qu'on trouvait des traces de ça et qu'on disait « tiens, c'est ce à quoi ressemblait la langue locale », pas forcément très révélateur. Néanmoins, ça témoigne d'un phénomène social. Et d'ailleurs, hein, l'influence, elle a été réciproque entre le berbère encore parlé nos jours en Afrique du Nord et le latin à l'époque. Le mot « asnus », par exemple, signifiant « âne », en berbère du sud du Maroc, c'est clairement un emprunt au latin « asinus », qui veut dire « âne », et qui a d'ailleurs donné le mot « âne » en français. Une chose à noter donc, c'est que la différence entre la ville et la campagne, ou plutôt ici, la différence entre la cité et le désert, eh bien elle devait quand même être assez marquée. Cependant, l'Afrique du Nord a donné de nombreux auteurs de langue latine assez divers sur le plan sociologique, ce qui témoigne malgré tout d'une romanisation assez avancée, y compris dans les zones les plus rurales. Un autre élément qui vient renforcer cette hypothèse, c'est que l'Afrique du Nord était aussi, durant la fin de l'Antiquité, un grand centre de traduction du grec vers le latin, et un grand centre éducatif, notamment pour la rhétorique. Sur la fin de l'Antiquité, les invasions germaniques mettent fin à la domination romaine. Les Vandales envahissent l'Afrique du Nord et y règnent de 435 à 534, même s'il est fort probable que l'impact linguistique ait été très minime, comme ce fut le cas d'ailleurs pour les invasions germaniques en Espagne, en Italie ou en Occitanie. Le territoire est ensuite récupéré par les Byzantins, qui privilégient néanmoins le grec au latin dans leur empire, avant de tomber sous le joug des arabo-musulmans au 7e siècle. Carthage est alors détruite et la capitale régionale est déplacée à Tunis, fondée en parallèle par les conquérants. Et à partir de cette période, les traces linguistiques deviennent très rares et les témoignages tout autant. On sait en revanche que l'arrière-pays échappe à l'islamisation et reste relativement autonome, voire indépendant, des royaumes berbères s'y forment, tandis que la côte, quant à elle, est beaucoup plus sous pression linguistique et religieuse. Et c'est là où vivaient la plupart des gens romanisés, si jamais vous avez suivi. Si l'on sait à peu près qu'il restait des chrétiens vers le 12e siècle, la langue latine africaine avait probablement déjà disparu, ou presque. La situation linguistique de l'Afrique du Nord ne pouvant être connue avec certitude, elle est souvent mise en comparaison avec celle d'Alexandrie, en Égypte, où la langue grecque et le christianisme se sont éteints à peu près à la même période. Mais là encore, tout ceci est sujet à interprétation, conjoncture, et à moins de nouvelles découvertes archéologiques, eh bien il sera difficile, voire impossible, de dater avec précision cette disparition. Quoi qu'il en soit, en Afrique du Nord, le christianisme des époques plus tardives, comme celui qui est identifié au 15e siècle, n'est déjà plus corrélé avec la langue latine d'origine locale, mais davantage avec la langue berbère ou arabe ayant été adoptée par tous, ou alors avec peut-être éventuellement de l'espagnol pour les mozarabes qui auraient fui l'Hispanie et qui se seraient installés en Afrique du Nord. Mais alors, tout ça ne répond pas à une question qui moi m'intéresse tout particulièrement, c'est à quoi aurait ressemblé la langue romaine d'Afrique si on l'avait laissée évoluer? Peut-on avoir des pistes? Eh bien, à vrai dire, oui. On ne peut évidemment rien savoir avec certitude, on est clairement dans un scénario de fiction, mais de nombreux indices permettent néanmoins d'envisager des directions. À supposer que la conquête arabo-musulmane n'ait jamais eu lieu, ou en tout cas qu'elle ne se soit pas traduite par la fin de la langue romane locale, eh bien le latin d'Afrique du Nord aurait peut-être subi une évolution similaire à celle de la Sardaigne ou du sud de l'Espagne. Alors quand je dis sud de l'Espagne, je dis pas le sud de l'Espagne actuelle, car la langue latine avait aussi quasiment disparu d'Andalousie avec la conquête arabo-musulmane, voire peut-être totalement disparu d'Andalousie vers le 13e siècle, ça c'est un point qui est un peu débattu. Et les dialectes actuels du sud de l'Espagne sont en réalité originaires du nord de l'Espagne, ils ont été apportés par la Reconquista, ça j'en parle dans mon livre. En tout cas voilà, le roman africain comporte des phénomènes lexicaux et phonétiques similaires à ce qu'on trouvait dans cette zone. Par exemple l'évolution des voyelles du latin vulgaire local, qui correspond à celle que l'on trouve en Italie du Sud et en Sicile, tandis que du côté des consonnes, eh bien on trouve une confusion entre le B et le V, donc prononcé B et l'autre W ou V, comme c'était le cas en Hispanie. Alors certes, pour les latinistes qui regarderaient, ce dernier trait n'est pas du tout singulier, on le trouve dans tout un tas d'autres régions de l'Empire, à des degrés divers, et il est d'ailleurs à l'origine du pourquoi le mot vervex est devenu brebis en français. Mais en fait, cette mutation était quand même assez rare en Gaule, là où en Hispanie elle était quasiment systématique, et là où en espagnol elle l'est d'ailleurs toujours, puisque dans cette langue, le V et le B peuvent être prononcés l'un comme l'autre, ils peuvent aussi être prononcés d'une façon intermédiaire, comme dans cavallo, cavallo, c'est ni un B ni un V. C'est entre les deux. Le lien avec le sarde, eh bien le lien avec le sarde, quant à lui, il est notamment lexical, comme on l'a vu juste avant. Et un lien avec cette langue est particulièrement intéressant, vu de la situation toute particulière de la langue sarde au sein des langues romanes. Car si on distingue
les langues romanes occidentales des langues romanes orientales, eh bien on oublie souvent que le sarde, lui, c'est un rameau à part, c'est un rameau central, qui a un certain nombre de traits linguistiques vraiment à part. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'Afrique du Nord a été profondément romanisée, plus intensément et plus concrètement que la moitié nord de la France, aux mêmes époques même, hein, je pense qu'on peut le dire. La Méditerranée ne représentait pas du tout une frontière, mais au contraire un espace de communication privilégié permettant et facilitant les échanges commerciaux avec la péninsule italienne. Cette région était un centre culturel romain important et l'un des principaux foyers du christianisme. Logiquement, compte tenu de cette histoire, jusqu'au Moyen-Âge central, la reconquête de Carthage était un sujet abordé en Europe et à Byzance. Voilà quoi, les territoires sont mouvants, leur perception l'est tout autant, et c'est pas mal de se remémorer ce genre de choses, ça permet de remettre pas mal de choses en perspective. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, évidemment, acheter le livre, bien sûr, et tutti quanti. Au revoir.